Dead by Daylight est sorti il y a 5 ans exactement. J'ai attaqué moi-même le jeu pas longtemps après sa sortie et j'ai découvert de mon côté probablement l'un de mes plus gros coups de cœur vidéoludique, le deuxième étant Little Big Planet. Pour ces 5 ans, Pievio a voulu marquer le coup avec un retour aux sources sur le thème du slasher, avec notamment le chapitre consacré à Resident Evil. Et là, ça a été révélé, nous avons comme tueur Nemesis et comme survivant une double parution, Léon Kennedy et Jill Valentine. Donc 6 perks côté survivant et 3 côté tueur. Nemesis est l'un des ennemis les plus emblématiques de la série Resident Evil. En comparaison au niveau de sa vitesse de déplacement et son aura de terreur, Nemesis peut faire penser au piégeur ou encore au Oni. Il possède un tentacule dans l'une de ses mains avec lequel il peut asséner une attaque. En faisant cela, il augmente sa jauge de contamination et au fur et à mesure de l'évolution de cette jauge, il acquiert de plus en plus de puissance, soit au niveau de la portée du tentacule, soit avec les dégâts. Et quand je parle de dégâts, c'est par exemple sa capacité à pouvoir détruire une palette si son niveau de puissance de contamination a atteint un certain seuil. Parlons-en des zombies. Nous avons des zombies présents sur la map, des intelligences artificielles, des personnages qui se déplacent, qui détectent la présence des survivants, qui se déplacent lentement vers eux. Alors bien sûr, vous pouvez apporter des accessoires pour grandir leur flair au sujet des survivants, et lorsqu'ils se déplacent, ils peuvent contaminer les survivants, comme un coup de tentacule, ou encore les blesser. Et ils réagissent, alors pas à vue, ils réagissent à la présence du survivant. Et ça donne des situations assez rigolotes, hein. C'est-à-dire que pour avoir essayé le conflit avec le zombie, on se retrouve avec une sorte de passadis et des survivants qui s'approchent, qui attirent l'attention du zombie pendant que l'autre répare un moteur. Et c'est vraiment très représentatif de l'oppression orchestrée par une présence de zombies. Un détail intéressant, si par exemple vous êtes le Némésis et vous détruisez un zombie, vous augmentez votre jauge de contamination. Ça peut être intéressant ou tout simplement vous pouvez détruire votre zombie si ce zombie se trouve trop loin et se trouve égaré et qu'il n'a rien à faire ici et vous avez besoin de lui parce qu'il repop au bout d'un moment. Les perks du Nemesis sont pas mal, même si évidemment nous avons comme d'habitude le schéma suivant, de compétences qui sont plutôt en retrait et à mon sens peut-être un peu useless, et une perk qui se démarque des autres. La première perk est poursuivant meurtrier. Ça donne directement la localisation des auras des survivants lorsque la partie démarre. La deuxième perk s'appelle hystérie. Si vous blessez un survivant avec une attaque de base, il se trouve que les autres survivants, déjà blessés, bénéficient du statut inconscient. La troisième perk s'appelle éruption. Elle est plutôt spéciale parce qu'elle vise les moteurs. Si vous cassez un moteur, vous le marquez. Il bénéficie d'une aura jaune. Et ensuite, si vous mettez un survivant dans un état critique à l'aide de votre attaque de base, eh bien, ces moteurs marqués régressent de quelques pourcents. Et si nous avons d'autres survivants qui sont sur ces moteurs marqués, ils se mettent à crier. Voilà, ce sont les bases du fonctionnement de Nemesis. Je prévois plusieurs vidéos dessus pour vous montrer quelques combinaisons sur lesquelles je réfléchis en ce moment, notamment une combinaison que j'avais mise au point à partir de plusieurs perks basées sur la destruction et la régression des moteurs. La compétence, elle est folle, hein. Buongiorno! D'accord, ben trop long, ouais. Ok, d'accord, ok. C'est comme un soccer ou pas? À chacun son tour. Ouais, je sais. Les soirées du mercredi? Ouais, je sais, c'est bien faire. Ok. Ouais, je sais, viens tout. Hey, tu touches pas ce moteur! Oh, le gars, il est efficace, tellement la loose, quoi. On peut là!
Je vais laisser le pauvre. Alors, c'est non, hein. Oh! Il a esquivé mon tentacle. Pas deux fois, le tentacle. Non? Ok, tu t'es... Ok. Ok. Ah, c'est plaisant. Et là, à chaque fois que je donne des coups de fouet, comme à l'Égypte finalement, je gagne un niveau. Ok, GG. Yes, excellent. Et plus je gagne des niveaux. Elle fait tomber une palette pour rien. Regarde, incroyable. Tu vas pas aimer ce qui va se passer, hein. Tu vas pas du tout aimer ce qui va se passer. Attention. Ah, il a totalement... Bah, le Trister, il était totalement surcoté dès le départ. Hein. Et là, il a les bras levés. Le survivant. Ça veut dire qu'il y a un zombie qui arrive. Ah, ok. Mais va faire ta vie, reste pas là, tu sais quoi. Et là, je suis niveau 3 avec mon tentacule. Et ceci n'est pas une métaphore. Je peux détruire et faire plier des palettes. Regarde, c'est ouf, hein. Et y a. Vas-y, regarde, tu vois. Il est là, mais il est là, c'est fou ça. Oh, compte zombie. Il était à ta gauche. C'est fou ça. Je peux détruire les palettes. Est-ce que je peux péter? Non, je peux péter. Ça marche pas. Ah, il y a des mains tendues. Travaille mieux. Là, c'est un genre de... Dungeon Keeper. Bah non. On va faire à l'ancienne. Allez! Deux autres zombies sont là. Quelqu'un pour le... Oui, il y a un nom. Les éraflures ou pas? Ah! Bonjour! Oh. Et regardez! Les bras du zombie là-bas! Regardez! Là-bas! Ça veut dire qu'il est là-bas l'autre! Mais c'est trop stylé! C'est trop stylé! C'est trop stylé! Mais si long. Regardez, les bras, ils font et là aussi, ils font du coup, il est là. Ah, t'étais trop loin. Ok. Ok. C'était quoi? C'était un move en dédarde? Pas eu l'impression. Hein. Ouais, je sais ce que tu ressens. Là. Ça. Non. Oh, l'esquive de coup de fouet. On peut pas avoir un... Non. Ouais, respecte au moins, ouais. Ah, des bras tendus. Regarde, quelqu'un qui tend un bras comme ça. Oh là là. C'est tellement des détections de... Vous l'avez vu quelque part? Ah là. C'est fou. Bonjour. Ouais, génial. C'était fou, hein. On revient à plat.
Oula! Bon move, hein. Oh, bien vu, ça. Yes, shit. Et il est là, le dernier. C'est à tous? Ouais. Non? Oh, ok. On va essayer de te bloquer avec les ennemis. Ok. Ah, il a tenté de le soigner. Quand tu veux, hein. Il est juste là. Ouais, ok. Est-ce qu'on pourra avoir un... Oh, à l'ancienne, bien sûr. Non, non, fais pas ça. Oh. Ouais. Rends tes textes. Yes. Saute. Ah, c'est tellement dommage. Ah, mais oui. Bah voilà, au moins quelqu'un qui travaille. Où sont les autres? Allez, là, il y a le zombie qui est là en mode... En mode ok, regardez, hop là. S'il tend les bras, il surveille. Il y en a deux, hein, c'est ça? Il n'y en a pas plus, c'est dommage. Oui, oh, ça va, hein. La maline, hein. Les tentacles? Attends, quelqu'un s'est relevé? T'étais pas censé le surveiller? Sérieux? T'étais censé le surveiller, hein? Ouais, surveille-le. Y'en a un là? Tu l'as vu? Tu l'as vu où? Ah! Yes! Ah, si vous êtes un. Ah, j'ai pas vu un cucu là? Toi là! Donne-moi ta caisse! Donne-moi ta caisse! Donne-moi ta caisse! Tu peux y aller. Va là-bas! C'est ma caisse! Et ne reviens pas la chercher! Je te surveille! Bah, c'est pas toi que je visais, c'est l'autre, c'est Jacques! Jacques! Oh non! Tu fais ce que je pense que tu fais? Oh non, non. Jacques? Il est temps d'y aller, Jacques. Attends, qui est mort? Qui est mort? Qui est mort? Toi, t'es mort? Non! Non! Non, attends, qui est mort? Qui est mort? Qu'il se dénonce! C'est lui qui m'a donné... Le mec qui m'a donné la caisse! Non! 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 Je me sens trahi par... Et le petit cri. Non. Non! 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 Écoute, j'ai bon cœur, je vais te donner la trappe. Je te laisse la trappe. Vas-y. Elle est là. Vas-y, viens. Allez, viens, viens. Mais... Je crois que j'ai fait une bêtise.